je vous retrouve dans un nouveau vlog. Petit vlog, c'est ma chère filleule de cœur, ma petite Luna, qui m'a dit « Non, mais Karine, fais un vlog !» Donc là, aujourd'hui, en fait, officiellement, c'est le jour où je viens de recevoir le colis avec mes fameux livres. Vous savez, je vous avais fait une vidéo spécialement destinée pour mes livres, et là, j'ai reçu le colis avec les livres, et on va les découvrir ensemble. Donc j'ai tellement hâte. En fait, là, il est en bas de mes escaliers et il attend que j'arrive le chercher. Et je savais pas si je vous filmais ça sous forme d'unboxing ou si je vous filmais ça sous forme de vlog, donc j'hésitais. Et bon, on va faire un vlog comme Luna l'a proposé. Si vous aimez l'idée de Luna, n'hésitez pas tout de suite à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. On va donc dans ce vlog découvrir mon colis avec mes livres. Si vous avez craqué pour mes livres, bah, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires, comme ça bah, je saurai. Je vous remettrai finalement les liens aussi si ça vous intéresse. Je sais que j'ai toujours un code promo et tout ça. Ils sont trouvables sur le site Ebla Edition puisque c'est avec eux que j'ai créé ce livre. Mais ils sont aussi trouvables sur Amazon, Le Furet du Nord, etc. etc. D'ailleurs, je suis allée ce matin au Furet du Nord acheter quelques petits livres aussi que je vous montrerai, mais je voulais partager ça aussi sur Instagram, donc retrouvez-moi aussi sur Instagram, des fois je vous partage des petites choses. Et Luna, elle a essayé d'aller voir la vendeuse pour dire « Est-ce que vous avez le livre Lille et les sorciers ?» Donc la fille, elle est partie le taper sur son ordinateur, elle lui dit « Non. » Genre, elle lui a même pas dit « Ben, on peut te le commander, il n'est pas disponible en magasin, mais on peut te le commander. » Non. Elle a rien dit du tout, la fille. Bon, pas très vendeuse, pas très sympathique, mais bon. D'ailleurs, pas très accueillante, d'après Luna. Mais... Bon, allez, on va découvrir ça. Là, j'ai retrouvé les filles et on va ouvrir le fameux carton. Donc ça, c'est des documents pour moi. Ah, il y a un livre qui n'est pas le mien, mais que la marque Ebla Edition m'a envoyé parce que je leur ai demandé des livres, vu que j'ai été affectée en Ulysse École depuis une semaine. Et du coup, ils m'ont envoyé gentiment des livres pour que je puisse regarder un petit peu le fonctionnement de l'Ulysse et avoir des petites choses clés en main. Donc ça, c'est cadeau de la marque de la maison d'édition et de l'édition pour m'aider dans ma nouvelle classe. Et voici les livres, ils sont là. Elles sont excitées à côté, mais elles font pas de bruit. Bon, alors il y en a logiquement 10 de l'île de sorciers et 10... Attends... Et 10 du fichier d'activité, donc on va les découvrir. C'est donc la première fois que je vais les tenir dans mes mains. Et Luna aussi d'ailleurs, c'est la première fois. Elles sont en mode... Ah, vas-y, refaites. Elles sont plus excitées que moi, les demoiselles. Alors, hop. Ça a été super bien préparé par Ebla Edition, c'est trop cool. La radine. Ah, il est trop beau au niveau de la qualité et tout, j'adore. J'espère qu'il va pas être un bébé. Mais magnifique. Oh, il y a même des chapitres. Bah oui. Le sommaire. Ah, trop beau. Je vais jamais réussir à lire. Mais t'as mis des écritures. Ah non, j'ai cru que t'avais... Non, c'est trop beau l'écriture à l'intérieur. On va pas spoiler, hein, quand même. Non, mais il y a des photos aussi sur le site. Oh, j'adore. Il est trop beau au niveau de la qualité. Il est vraiment parfait. Et on va regarder du coup le fichier. Et... Ah, alors, je disais, je pensais qu'il y avait une petite rainure avec écrit recueil d'activités ensorcelantes, mais non, ce n'est pas le cas. Mais il est quand même de super bonne qualité et du coup, il est en noir et blanc pour que vous puissiez le photocopier. Oh là là, la qualité, elle est super belle. C'est un papier un peu glacé, il est trop beau. Oh, il est magnifique, je pensais pas qu'il serait aussi beau. Il y a des jetons. Oh, j'adore. Il est magnifique. Il y a des jeux dedans. Voilà, ça fait trop bizarre de voir son travail, toutes ces heures de travail qui est là, toutes ces heures de travail sur un vrai livre. Ça fait trop bizarre de l'avoir dans les mains là, alors que je t'ai vu l'écrire. Et alors comment tu le trouves là? Tu le trouves beau? Oui, il est beau gosse. Il est trop magnifique. Et regardez les petits reflets. Alors est-ce qu'on va aller voir à la caméra? Il y a des petits reflets un peu, des petits trucs brillants. Les deux personnages, les toitures de la ville de Lille là sont un petit peu avec des effets aussi. Brillants mat. C'est trop beau, hein? Le beffroi aussi. Et des quoi? Le beffroi. Ah, le beffroi aussi.
Oui, on voit pas beaucoup. Ah oui, le beffroi mais... aussi, mais il est très important dans notre histoire. Et on va vous montrer quelques images quand même, parce que juste pour... Bon, là, c'est la même, mais pour que... Alors, attends, il y a des petits reflets. Hop. Et avec Luna, il y a 2 semaines maintenant, c'était il y a 2 semaines, on a fait un petit réel. On n'avait pas encore les livres, mais on a fait un petit réel avec les endroits un peu mythiques comme ça de l'île. Dont je parle dans l'histoire. Donc, allez lire. C'était il y a 2 semaines ? Non, c'était à 2 semaines déjà, je pense. C'est passé pas vite, hein. Mais du coup, sur Instagram, vous retrouvez ce petit réel. Et il va falloir que j'en fasse un autre sur ça. J'ai fait aussi un petit réel sur tout le travail fait avec, évidemment, l'illustratrice, hein, qui a fait tous ces superbes dessins, qui est Céline, la maîtresse du colibri. Je vous en ai déjà parlé. Hop, elle est ici aussi, regardez. Et du coup, dans le réel que j'ai fait, on montre un petit peu toutes les étapes de création de ce livre. Mais je vais vous faire une vidéo, évidemment, où je vous parlerai un petit peu plus en détail de toutes les étapes de création. Et puis, vous m'avez posé des petites questions, donc j'essaierai d'y répondre dans cette vidéo aussi. Hello, je reprends le contrôle de la caméra, car Karine n'a pas eu le temps de terminer hier. Elle était trop excitée par la sortie de ses livres, donc... Bah, bon vlog, enfin, bonne continuation du vlog. Et si vous êtes comme moi, trop fière d'elle, mettez un petit commentaire, félicitations, Karine Miss Boop. Et voilà, kiss. C'est trop pas cadré en fait, je suis pas une youtubeuse professionnelle. Bon, on va arrêter de filmer parce que sinon je vais me faire engueuler parce que j'ai pris toute la place. Donc voilà, salut salut! Je vous retrouve le lendemain. Oui, hier ma fille m'a fâchée, donc j'ai parlé avec elle et du coup j'ai complètement oublié de continuer puisque après j'étais quand même excitée de voir mes livres. J'ai vu Laetitia dans les baskets de la maîtresse qui a aussi découvert mes livres. Je vous ai montré d'ailleurs sa réaction sur Instagram. Et puis voilà, voilà. Et puis la journée a filé à une vitesse. Là, avec ma chère petite Luna, est-ce que vous la verrez ? Ben non, parce que ma caméra, elle me suit. Mais avec ma chère Luna, on est en train de bosser ses devoirs de cinquième. Et donc, on est en train de faire une sorte de dictée demandée par sa maîtresse sur la guerre de Troie. Donc cet après-midi, au niveau de ce programme du dimanche, c'est finir ses devoirs pour qu'elle soit au top pour la semaine. Moi, il faut que je prépare ma classe Ulysse, donc faire mon cahier journal, enfin tenter de faire un cahier journal assez potable et faire un petit réel de concours pour vous faire gagner sur Instagram un lot de livres. D'ailleurs, si vous voulez participer à ce lot de livres, n'hésitez pas à commenter dans ce vlog. Bref, on va finir sa dictée, la guerre de Troie, où je suis sûre elle va avoir 0 faute d'orthographe parce qu'on l'a bossé déjà hier. Réviser ses 2 leçons et puis moi je vais pouvoir enfin aussi bosser un petit peu. Vous savez, elle est hyper stricte. Rebelle, alors qu'est-ce que tu disais ? Donc, je disais que tu étais super stricte. Parce que je l'ai fait recopier le mot 10 fois. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de fautes d'orthographe, elle en a fait 2, elle les a copiées 10 fois. Hey, tu triches pas, hein ? Ah oui, bah oui. Oh, non, attention. C'était hein. Juste pour montrer, tu vois, que... Ouais, ouais, ils ont rien vu de toute façon, donc ne triche pas. N'en profite pas, mademoiselle. Non, pour de vrai. Bah, je rigole pas parce que j'ai quand même sa maman qui va mettre un coup de pression si t'as pas bien fait tes devoirs, donc on fait ça bien. D'accord, madame ? Bon, on y retourne et je vous reprends tout à l'heure. Il faut que je vous montre un colis Lush que j'ai reçu qui existe trop, trop, trop beau. Je l'ai pas encore ouvert, du coup, je voulais qu'on l'ouvre ensemble avec Kezia, je pense, pour qu'il mette ses petites mains dedans. Il adore faire ça. Et puis ça sera tout. Donc à tout à l'heure. Bon, voici sa petite dictée. Bon, c'est vrai que c'était une longue dictée quand même, hein, sur la guerre de Troie. Je ne sais pas si vous avez des enfants au collège, mais du coup, elle n'a fait aucune faute, madame Luna. Bravo. Mets un petit 20 sur 20 quand même, ça va me porter. Bah, si tu veux, oui. Bon, moi, j'aime pas mettre de notes, mais si tu veux. Ah, merci beaucoup. Voilà, madame Luna.
Hier, je vous disais qu'avec Luna, on est parti chez... Et avec Kayla, on est parti au Furet du Nord. Et Luna, elle s'est pris ça. Donc, c'est elle. C'est ça? Elle, aux éditions Le Lombard. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est le troisième tome. Et donc, elle a déjà les deux premiers. Donc, ça, c'est un cadeau pour elle. Je voulais vous le montrer. Moi, j'ai craqué pour le regarder avec... le lire avec ma fille Kayla sur, évidemment, Buffy contre les vampires. Puisque j'étais fan quand j'étais jeune, ado. Et là, ils ont fait une version pour enfants. Donc, je vais le lire avec elle. C'est sous forme de... un petit mix entre une BD et en même temps un album de littérature de jeunesse, vous voyez, c'est un peu entre les deux. Il a l'air pas mal. Bon, après, j'imagine qu'il n'y a pas toute l'histoire à l'intérieur, hein, donc il va y avoir sûrement plusieurs tomes, mais bon. Juste pour découvrir comme ça, c'était le petit clin d'œil. Pour la classe, j'ai pris pour la classe Ulysse, donc si vous n'avez pas suivi, avant je suis remplaçante, hein, depuis le début de l'année, j'ai demandé à être remplaçante. J'ai été dans pas mal de petites classes maternelles les deux premières semaines. La troisième semaine, j'étais en arrêt maladie parce que j'étais complètement malade, HS à la maison. Et la quatrième semaine, en fait, quand on m'a rappelé, on m'avait donné une classe à l'année le jeudi, mais on m'a enlevé cette classe à l'année le jeudi pour me mettre sur une classe Ulysse qui n'avait pas de maîtresse. Et donc, eh bien, là, je suis en Ulysse pour l'instant jusqu'aux vacances. Donc, j'ai acheté pour la classe Ulysse 1, 2, 3 sorcières, un livre à compter, et il m'a l'air pas trop mal parce qu'en classe Ulysse, on a vraiment plein de niveaux différents. Et j'ai envie de travailler avec eux sur l'univers de la magie, de la sorcellerie, et puis d'Halloween, tout ça. Donc, j'ai pris ça pour eux. Des éditions Père Castor et c'est enfin de Flammarion Jeunesse plutôt, il était à 5,95 et celui-ci j'ai trop craqué dessus parce que je me suis dit que ça pourra trop leur plaire, la plume magique, c'est une histoire de petits tours, ça va redonner un peu d'estime en eux-mêmes, en plus il a vraiment des petits reflets, je sais pas si vous voyez, des petits reflets un peu dorés dessus, il est très très beau aussi, donc rien que le livre il est très 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 beau, il donne envie. Et alors ça nous met quoi? Tout au fond de son cœur, petit ours se demande s'il est vraiment un ours, donc vous voyez avec ce côté sur la différence avec les autres, donc je trouvais ça trop sympa. Et il a une petite plume magique, donc encore une fois c'est pas la baguette mais c'est la plume magique, donc il se sent vraiment pas comme un ours car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les autres ours, hein, que les siens. Une nuit, un merveilleux oiseau de feu lui apporte une plume. Et donc, on va découvrir cette histoire avec mes élèves. Il est aux éditions Flammarion aussi. 13,50€. Donc, j'ai pris tout ça. Et ma fille, elle s'est pris un cahier de coloriage de sorcière, mais elle l'a déjà mis dans sa chambre. En tout cas, celui-ci, je vais bien le travailler avec mes élèves, je pense. Et puis, je vous en reparlerai prochainement si ça vaut le coup. Mais vraiment, je pense qu'il va être vraiment bien comme histoire. En plus, les dessins sont vraiment très beaux aussi. Comme promis, je vous retrouve tout en haut pour vous montrer le fameux calendrier de l'Avent, My Little Box. Et je suis en train de m'interroger avec Luna parce que j'ai l'impression que c'est le même design que celui de l'année dernière. Je vous le montre. Cette année, My Little Box, ils en ont fait deux. Celui-ci qui est à 49,95€ et un version, une trousse de toilette avec les paquets à l'intérieur qui est un peu plus cher. Je crois qu'il est à... Combien je t'ai dit tout à l'heure? 90€ je crois, un truc comme ça. De toute façon, je vous remettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si j'ai un code promo, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos. Et du coup, moi, j'ai reçu celui-ci. Le truc qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que c'était que c'est le même design que l'année dernière. Donc, je ne sais pas. J'espère que c'est pas la même chose à l'intérieur. On va regarder. Donc, vous saviez, l'année dernière, c'était... ouais, c'est le même. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils nous ont pas ressorti le même que l'année dernière? Mais alors, je ne sais pas si c'est les mêmes produits dedans. En tout cas, le design, c'est le même. On va juste regarder une ou deux cases, histoire de voir si ça me rappelle l'année dernière ou pas. Donc, ça se présente toujours comme ça, des petites cases comme ça. My Little Fabric. Et, j'ai l'impression que c'est le même que l'année dernière. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, My Little Box me l'a envoyé. Et donc là, c'est un mini parfum, le Jimmy Choo I Want Show. Et je crois que je l'ai eu l'année dernière. On va faire une autre case, hein, voir si ça me... Ouais, là, on a des pailles réutilisables, ça me dit quelque chose. Et alors, si vous ne l'avez pas eu l'année dernière, peut-être que ça vous intéressera cette année. Et celui-ci, alors je ne peux plus me rappeler si c'est le numéro 16 par exemple, c'est l'huile d'amande de chez L'Occitane, que moi j'aime beaucoup. Hein. C'est une huile de douche que j'aime beaucoup, ça c'est sûr. Donc ça c'est cool de la retrouver, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le même que l'année dernière. Donc, écoutez, c'est le même.
Ça, c'est celui de 2022. Oui, marqué 2022. Donc, ouais, je pense que c'est le même que vous pouvez retrouver sur My Little Box. Et ils en ont sorti un autre qui est en version trousse qui me plaît vraiment beaucoup. Je ne sais pas si je l'aurai. Je ne sais pas. En tout cas, celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant en entier puisque je l'ai déjà fait en vidéo l'année dernière. Donc, je ne vais pas refaire la même chose cette année. Mais je verrai si je vous le fais gagner, si je l'offre. Je ne sais pas encore. Est-ce que je le garde ? Même si je l'ai déjà eu l'année dernière, je vois pas l'intérêt. Donc je verrai ça. Si vous voulez peut-être le gagner ou potentiellement gagner des petites choses, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Sur ce, bah, c'est tout pour ce colis-là. Je vais aller vite en bas avec mon fils ouvrir le colis Lush parce que j'ai trop hâte de découvrir la collection d'Halloween qui a l'air canon. Et je vais préparer dans la semaine une vidéo vraiment détaillée sur mon recueil d'activités entreprenantes et sur le livre pour vous expliquer un petit peu les dessous de cette création, comment ça s'est passé et surtout expliquer un peu le principe, comment l'utiliser ce recueil en classe ou même à la maison. Si vraiment vous avez envie de l'utiliser à la maison, c'est possible. Donc j'essaierai de vous préparer cette vidéo prochainement, mais on va... Faut que je m'organise parce que là cette année, ce week-end n'a pas été hyper productif parce que j'avais ma Luna. C'est pas elle qui m'a empêchée de travailler un peu parce qu'elle avait beaucoup de devoirs et mes enfants aussi. Donc voilà, je vais aller aussi bosser. Bref, on va ouvrir le colis Lush avec Kezia parce qu'il a hâte de mettre ses mains dedans et je vous emmène avec moi. Petit colis Lush de la part de l'équipe sur Halloween. Et donc Kezia, c'est bon, t'es partie. Tu vas pouvoir, ouais, super. Tu vas pouvoir tirer dedans et on va mettre tous les déchets, enfin en tout cas toutes les petites bouboules là-dedans. Ok. On est lundi, je viens de revenir de l'école, enfin il y a une petite demi-heure, je suis en pause cappuccino et après je vais, donc c'était une plutôt bonne journée, on va dire moitié-moitié, difficile ma matinée mais l'après-midi un petit peu plus clean. J'ai bossé hier soir jusqu'à au moins une heure du mat, mon emploi du temps de la journée avec mes élèves, etc. Enfin, plein de choses. Ça se met en place tout doucement. Pour celles qui n'ont pas suivi, je suis remplaçante depuis la rentrée. Je sais plus si je l'ai dit dans ce vlog. Oh, je perds la boule. Je suis remplaçante. J'ai demandé à être remplaçante cette année. Et donc, j'ai participé au mouvement. Et j'ai fait pas mal de remplacements maternels. Et là, je suis en classe Ulysse. Et du coup, bah, j'ai préparé tout ça. Et là, il faut que je bosse encore ma classe parce qu'il s'avère que j'ai des niveaux qui vont de la
petite moyenne section au CE2, CM1, CE2 je vais dire, grand max. Du coup, bah, il faut que je bosse des petites choses pour que chaque élève ait du travail adapté à son niveau. Il va falloir que je fasse des progressions par élève. Et c'est ce qui va me prendre, je pense, le plus de temps. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais me laisser un peu de temps. J'ai les vacances. Logiquement, je suis en remplacement là-bas jusqu'aux vacances. Après, on verra. Donc, si je continue après les vacances, je vais faire ça pendant les vacances, je pense, pour bien, bien préparer mon retour après. Et sinon... Mon objectif de ce soir, c'est de chercher des fiches pour travailler les sons et les lettres pour une de mes élèves. Donc, ça va être ma mission. Je sais que j'ai ça quelque part dans mes affaires de maîtresse, mais si vous avez regardé ma dernière vidéo rangement, c'est pas encore tout clean, tout ce que mes trucs de maîtresse. Donc, il faut que je retrouve ça. Et ça, c'est une autre histoire. C'est chaud patate. Sinon, dans ma classe, j'ai décidé donc de faire pendant les 3 semaines avant les vacances tout ce qui est autour de l'automne, les sorciers, le côté un peu féerique comme ça de la magie. Et regardez ce que je viens de recevoir. Alors, rien à voir avec ma classe, hein, mais j'ai reçu la Beautiful Box. Et alors, son thème, je vous la montre là parce que comme ça, vous pouvez mieux voir. Mais son thème, il est canon, regardez. Il y a le petit château, le petit sorcier et tout. Elle est, alors c'est une édition VIP, mais elle est juste trop trop belle, je trouve. Elle correspond vraiment au mois d'octobre, là. Ouais, j'aime bien le côté un peu magie, féerie. Ça me correspond bien, donc je suis contente. On va juste l'ouvrir rapidement. Et on a une box donc qui est sur la magie mystique et féerique pour le quotidien. Donc, il y a l'air d'avoir pas mal de petites choses. Après, on a un dentifrice. Bon, ça me vend pas du rêve, hein. Ça vend pas du rêve, le dentifrice, mais pourquoi pas. Ah, un petit pad comme ça, démaquillant pour se nettoyer le visage, ça c'est plutôt sympa. On a un petit contour des yeux ici de la marque Mélusine. Bon, ça peut toujours servir, j'aime bien le côté rosé là. Oh, ça c'est plutôt un beau format de chez Garantia. Ah, je l'adorais avant cette eau micellaire démaquillante qui est l'odeur de rose d'antan, mais c'est vraiment une odeur particulière. Et en plus là c'est le vrai format, le format vente. Donc c'est un gros format, ça c'est plutôt sympa, c'est un beau produit. Donc ça envoie, la marque Garantia là, ça envoie un peu de la magie, je trouve, c'est pas mal dans l'idée. Une crème main de la marque Cotan, ça pourquoi pas, c'est cool, ça va me servir. Je pense que je vais le glisser dans mon sac de maîtresse d'ailleurs. Ouais, comme ça je l'utiliserai à l'école. On a ici un petit sérum, je pense, quelque chose comme ça. Ah oui, acide salicylique, acide hyaluronique, le Supernature, la potion purifiante... alors c'est plus quand on a des boutons, donc il faut que je regarde un petit peu, hydratant anti-imperfection, pourquoi pas. Et le dernier produit qui a l'air pas mal aussi, ah, un déodorant bio, soit en 24 heures, de, alors ça c'est quoi cette marque, je crois que c'est Je suis bio je crois la marque, hein. Je connais pas, mais ouais, en déodorant, c'est une bouteille en verre, et c'est un petit roll-on comme ça, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Écoutez, elle me vend pas du rêve, mais il n'y a pas de poudre à paillettes, tu vois. Ils auraient pu mettre une petite touche de poudre à paillettes, ça aurait été plutôt sympa pour le côté féerique, mais sinon elle est pas mal du tout, moi je l'aime bien, donc je suis assez contente et je kiffe la boîte, ça je vais l'utiliser je pense, je vais l'utiliser dans ma classe, je vais la ramener dans ma classe. J'ai reçu aussi une petite commande que j'ai faite à ma copine, la maîtresse du Colibri, en fait, avec qui j'ai fait le livre, puisqu'elle a fait toutes les illustrations dans les 2 livres que j'ai fait avec elle. Et moi, j'ai fait tout l'intérieur, tout ce qui est texte. Je lui ai fait une petite commande de stickers parce qu'elle réalise des stickers personnalisés. Et je vais vous la montrer, mais je vais d'abord montrer sur Insta parce que j'ai envie de partager ça sur Insta. Et puis, je vous ferai un petit clin d'œil ici. Je vais sûrement customiser mon petit planeur avec. Et j'ai trop hâte de l'ouvrir, cette petite commande. En fait, dans ce vlog, je suis désolée, mais j'ai reçu pas mal de colis. Alors, ça fait 3 semaines que je reçois pas de colis. Et là, tout arrive d'un coup. Et là, le dernier colis que j'ai reçu, aujourd'hui aussi, regardez, c'est la My Little Box. Et c'est pas mal. Encore une fois, c'est pratique pour l'école aussi. C'est le thème de la rentrée. Et du coup, ils ont mis une sorte de petite trousse isotherme comme ça. Et je trouve ça trop sympa. Je disais, avant que ma caméra bug, je n'aime pas trop trop le vert comme ça. Mais ma foi, c'est une trousse isotherme. Du coup, genre pour votre gamelle du midi et tout. Je trouve ça sympa. Donc voici un petit peu son design de plus près. Donc, vous voyez, c'est un petit verre un peu avec des effets dessus. C'est vraiment sous la forme d'une trousse, hein. Vraiment,
Pour le midi, ça va être parfait. Je pense que je vais la prendre pour changer. Parce que moi, j'en ai une, c'est Harry Potter. Mais pourquoi pas changer? Et à l'intérieur, on a tout dans le style. Alors après, c'est aussi pour voyager. Hein. Comme ça, si vous partez en voyage, vous pouvez garder tout ça. Donc, on a une serviette démaquillante multi-usage pour voyager. Du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller. Mais après, si vous la laissez dans votre trousse, vous pouvez l'utiliser pour vous laver les mains, vous nettoyer la bouche. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez avec, évidemment. Hein. Donc, ça, c'est plutôt un petit gadget sympa. Ça me dérange pas. Du love au bout du fil, un cordon, un téléphone. Et ça, c'est trop sympa. Pourquoi je dis que c'est trop sympa? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais à Paris, vous allez pas le croire, mais j'oublie mon cordon à téléphone. Et c'est vrai qu'à Paris, ça peut être très pratique pour pas qu'on se le fasse voler. Et le voici. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en plus, c'est universel à tous les téléphones. Vous mettez la petite pastille comme ça dans votre coque et vous le faites sortir là, le petit bout, par l'endroit où vous chargez votre téléphone en fait. Et comme ça, vous avez... En plus, c'est un plutôt gros crochet là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, le câble, n'importe quoi. Le fil, il est super épais aussi, donc plutôt quali. Et voilà, c'est super grand. Non, ça, vraiment, encore une fois, utile. Ça, c'est de l'utile et ça, j'aime bien. Ah, bah The Body Shop, on a un petit démaquillant justement pour partir en week-end. Moi, je pars bientôt en week-end et à Barcelone et tout, donc ça va être glissé dans ma trousse de toilette. Donc le beurre démaquillant sublime de The Body Shop à la camomille que je connais bien. Alors, je suis pas hyper fan de ce beurre, mais pour dépanner en vacances, c'est très pratique. La marque Algology que j'aime beaucoup, une crème des vagues, crème hydrafondante. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais l'utiliser prochainement, je pense. Et le dernier produit, Innisfree, c'est un masque à l'argile réducteur de pores aux amas volcaniques. Et bah, vous savez quoi? Je vais le tester tout de suite parce que honnêtement, je trouve que les pores de mon nez, là, commencent à se faire voir, là. Je sais pas pourquoi. Et comme j'ai remis du fond de teint, alors qu'avant j'étais à la bébé crème, là je suis repassée au fond de teint, bah je me dis que ça va être bien pratique. Donc je vais aller ranger tout ça dans mes placards et je vais aller me laver et utiliser mon nouveau baume. Voilà pour aujourd'hui le planning. Et comme je vous ai dit, je vais ouvrir ma petite enveloppe avec une petite stickers et on se retrouvera, je pense, demain ou après-demain pour la décoration. Comme ça, je vous montrerai ça au passage, mettre des petits stickers dans mon agenda de maîtresse, mon organisation. Enfin, voilà, rien de fou, hein. De toute façon, c'est un vlog où vous allez me suivre comme ça pendant 2-3 jours. Et après, je vais pouvoir clôturer tout ça, je pense. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir de se retrouver dans un petit vlog blabla. Voilà, rien de fou. À part la découverte de mes livres, quand même, c'est un truc fou, ça, quand même. Ça n'arrive pas à tout le monde et ça n'arrive pas 50 fois dans une vie, je pense. Mais déjà, c'est un petit vlog. Est-ce que vous êtes contente qu'on se retrouve dans un petit vlog? Dites-moi tout ça, content ou contente, hein, fille ou garçon. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, je vous abandonne à mon cappuccino. À tout à l'heure. Je vous retrouve, on est mercredi matin avec ma tête semi-maquillée.
Oui, mes enfants sont en train de bosser en haut. Ma fille révise sa musique parce que je vais l'emmener dans une demi-heure en musique. Et mes garçons jouent aux voitures. Pourvu que ça dure. Bon, il fait sombre aujourd'hui. C'est pas, c'est une météo automnale. Hein. Et je voulais vous montrer la palette que j'ai trouvée chez Action. Et j'avais envie de vous gâter dans ce petit vlog un peu surprise comme ça. Donc, vous avez le concours possible pour gagner mes deux livres. Et là, je vous propose aussi de gagner la petite palette de chez Action. Je l'ai trouvée à 3,99€ chez Action. J'en ai pris une pour vous, une pour moi. Et je vous la fais gagner dans ce concours. De toute façon, je crois que je vous ai déjà donné un mot bonus. Donc, dites-vous que c'est pour... voilà, il y en aura un... Oh, on va mettre un deuxième mot bonus. Comme ça, vous aurez deux possibilités, deux gagnantes. Une pour le livre, mes livres, là, L'île aux sorciers. Et une pour la palette de chez Action qui s'appelle Papillon. Donc mettez-moi dans votre mot, dans votre commentaire le mot papillon et je saurai vous participer pour la palette aussi. Et puis vous pouvez participer aux deux évidemment, comme ça deux fois plus de chance. Mais c'est deux lots séparés, ce serait peut-être mieux. Elle est dans les tons un petit peu vert, automnal je trouve. J'ai essayé de vous la montrer un petit peu mieux. Et là je voulais me maquiller avec. Et j'ai trouvé aussi cette palette là que j'ai prise, la Fab Factory. Il y a une abonnée qui me l'avait offert. La première version qu'il y avait eu l'année dernière, je pense. Et du coup, là, je me suis prise la deuxième version. Je vous montre. Donc, la version papillon. Est-ce que vous allez voir un petit peu, vous voyez, un petit peu nude, vert, avec quelques auburnes que je pense que je vais utiliser aujourd'hui ici. Un petit peu de marronné doré et des beaux verts. Enfin, vraiment, c'est une palette qui me plaît bien. Donc ça, je suis assez contente d'avoir trouvé, surtout au prix. Et puis, je suis contente de vous l'offrir. Et celle-ci, donc la Face palette 28 couleurs, donc à l'intérieur vous avez deux palettes dans les tons rosés, donc c'est pour ça que j'hésite aussi à utiliser celle-là. Donc il y a des plutôt rosés clairs, et là dans la deuxième c'est plutôt rose violine, un peu aux couleurs de mes livres, et la dernière face c'est blush, highlighter, bronzer qui m'ont l'air vraiment pas mal. Donc je vais enlever toutes les protections, je vais les utiliser dans ma semaine je pense, et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram je pense, mais je suis assez contente de l'avoir trouvée parce que la dernière fois, celle que mon abonné m'a offerte, je l'ai pas mal utilisée, je l'aimais beaucoup, surtout pour partir en week-end, ça il y a tout dedans. Et puis celle-ci vous savez, pour 3-4€ là, je trouve qu'elles sont juste trop bien, pas chères et plutôt bien pigmentées. Et puis, vous n'hésitez pas surtout à participer pour ce petit livre-là. Oui, il m'en reste encore quelques-uns. J'ai pas encore offert à tous les proches à qui je voulais offrir, parce que j'ai pas encore vu tout le monde. Mais j'en garde pour vous. Et puis, le reste, ça va être pour offrir à mes proches. Puis, évidemment, je vais m'en garder quand même un exemplaire. Sinon, ce serait bizarre, hein, non ? Donc, je suis trop, trop contente. Ah, j'allais pas vous montrer. J'allais oublier. J'ai trouvé ça aussi chez Action. La Delia Cosmétique, une bébé crème en light. C'est une version matte SPF 30. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'avais envie de la tester. Et je me suis pris un petit vernis rose. Je ne sais plus si je l'ai, mais j'aime beaucoup les vernis Max & More. Sachez qu'ils sont vraiment très bien. Ils tiennent très bien. Et comme j'aime bien ce genre de petit rose, je l'ai pris, mais j'ai un doute. Donc, si je l'ai, pareil, je vous le mettrai... dans le concours avec la palette. De toute façon, avec la palette papillon, là, si vous gagnez ce petit lot, évidemment, comme d'hab, hein, je vous enverrai des petites choses en plus, hein, pas que la palette. Je vous mettrai d'autres petites choses en cadeau. Et voilà, je vous retrouve maquillée. Bon, j'ai eu le temps d'emmener ma fille entre-temps. Je me suis dépêchée de me maquiller pour l'emmener. Mais voici le rendu de la palette papillon. Donc... plutôt bien pigmenté. Bon, c'est poudreux, mais ça s'enlève facilement les chutes, donc très bien. Aucun souci. Vraiment, ces palettes, je vous le dis, elles sont simples et plutôt efficaces pour le quotidien. C'est très bien. Et on va clôturer ce vlog un peu tout dans cette vidéo. Il faut que je retourne tout à l'heure à Action pour aller échanger un pyjama que j'avais acheté pour mes enfants qui est trop petit. Que j'aille rendre un colis à Amazon parce que c'est quelque chose dont je n'aurais plus l'utilité et que je n'ai pas pu me servir. Donc je vais le renvoyer à Amazon et me faire rembourser. Et puis sinon, ma foi, je vais faire aussi mon montage vidéo aujourd'hui parce que mercredi, c'est montage vidéo pour 16h. Et je vais aller emmener ma fille chez l'ophtalmo. Donc plein de choses à faire encore une fois pour les mercredis. Et ce soir évidemment, je vais recommencer à travailler ma classe puisque je suis en train de trouver pour la classe Ulysse un rythme, une sorte de cahier journal un peu plutôt... C'est assez compliqué de faire un cahier journal en Ulysse parce que vous devez vous adapter à chaque enfant. Et du coup, je suis en train de trouver ma trame, donc c'est pas mal. Je suis en bonne voie. Sur ce, j'espère que vous allez me raconter aussi un petit peu votre vie dans les commentaires, me raconter, mettre les petits mots bonus effectivement aussi au passage. Voilà, racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé cette semaine pour vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut !